C'est donc la dernière journée de cette phase de groupe. On connaîtra les qualifiés tout à l'heure. Oui, ensuite la compétition entrera dans une nouvelle phase. Pour ce match, vous retrouverez Liverpool face au Real Madrid. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte hein, que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. On va voir évoluer une équipe qui va peut-être décrocher aujourd'hui devant son public son billet pour la suite de la compétition. Les joueurs n'ont besoin que d'un petit point pour passer. Mais je ne suis pas sûr que l'entraîneur va quand même jouer la sécurité. Voici les joueurs hein, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Schéma classique en 4-3-3 pour notre équipe. Oui, surtout c'est le même dispositif que l'adversaire. Bon, c'est vrai que le 4-3-3 est énormément utilisé. Attention quand même à ne pas trop libérer d'espace au milieu. Et puis j'ajouterai pour terminer que c'est Ernesto Colombano qui va devoir arbitrer ce match. Ryan Bertrand. Bellerin. Douglas Costa. Pas de problème pour le gardien. Liverpool qui obtient le corner. Matip. Kroos. Et ce ballon qui est perdu. Draxler. Oh, ce petit ballon lobé, hélas, pas assez appuyé. Bale. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Cristiano Ronaldo qui frappe. Et le but! Le premier but du match, le voici! Cristiano Ronaldo qui marque. L'écouchement est nickel, hein, comme d'hab, quelle classe. Bien ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Cette déviation, la pluie qui a fait son apparition hein, pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense. Et le gardien l'a sorti au point. Belle passe en profondeur. Ça n'ira pas plus loin. Allez, qui va reprendre ce ballon? Les joueurs de Liverpool qui continuent leur action. L'arbitre a fait signe de jouer. Eric Lamela, le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Aucun risque. N'Golo Kanté. Douglas Costa. Un bon ballon à jouer pour les Reds. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Nicolas Nkoulou. La passe de Gareth Bale, interceptée. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Rashford.
Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le Real Madrid qui obtient un coup franc. Marcelo. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps de la seconde période. Dans 45 minutes, on connaîtra le classement final de ce groupe. Et on a vu tellement de spectacles et de buts lors des matchs précédents qu'on n'a pas vu le temps passer. Hein. Peut-être une bonne opportunité, attention. Marquage trop laxiste, attend. Il prend sa chance. Ah, ils viennent de rater une belle occasion d'égaliser là. Finalement, attention au corner. Deux buts d'écart, ça ferait beaucoup. Benzema, et le ballon qui lui reste dans les mains, bien joué. On retrouvera du championnat d'Angleterre avec cette rencontre. Liverpool affrontera Leicester City à l'extérieur. Une rencontre qui comptera pour la prochaine journée. N'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, et cette attaque qui avorte finalement. Non, non, ce ballon est perdu. Draxler. Rashford. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Draxler. Le ballon est sorti, ce sera un corner pour Liverpool. On s'approche de la zone de vérité. Marcus Rashford. La touche pas mal placée pour l'équipe de Liverpool. N'Golo Kanté. On est mal centré. Dommage, un bon ballon d'attaque perdu. Et la voilà la frappe. Et toujours ce but de retard. Hein. L'occasion d'égaliser qui vient d'être manquée. Possession de balle assez équilibrée, on le voit. Ah, souvent la clé du match est là. Hein. Le Real Madrid qui s'approche du but. Il cherche à alerter Benzema. Modric. Oh là-bas, attention, ça continue. Lamela. Anderson. Draxler. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, la bonne intention. Eric Lamela. Pas de problème pour le gardien. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Ça part bien, action dangereuse. Il parvient à stopper cette offensive. Les joueurs du Real qui l'emportent donc. Coup de sifflet final de l'arbitre. Ouais, le match est terminé. Et les joueurs qui doivent finalement s'incliner. Bon, est-ce que vous avez aimé Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Pierre ? Ouais, une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.